Et bonsoir, 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 bonsoir. On se retrouve là pour faire du World of Warcraft ce soir. Posé, bon, ça voit encore, mais c'est bien rangé. Famille, le fond vert. On va éviter de voir le chat, etc. C'est bien du tout. Voilà. On va aller mettre un peu de l'autre musique. Pas encore ce qu'on va mettre. Mais quoi? Qu'on peut mettre? Et après on va partir hein. Pour le Discord. Mettre cette playlist là. Non, je vais me faire strike faire rapidement comme le plus que allez, admettons ça. Ah, se met. Ouais, cool. Ah, c'est un pote qui m'a fait ça. Bon, là j'ai pas mis le fond vert, mais normalement il y a plus d'animation que ça derrière moi par exemple. Ah, il y en a. Voilà, bon bah écoutez, on va passer en jeu tout simplement hein. Il y a des trucs qui s'affichent. C'est pas non plus un drame hein. Allez. Hop, on est parti sur le Neng. Donc on va partir sur comme le dit sur l'artifice. Inerva, on va laisser pas tomber. Hein, ben, bah, il faudrait repartir. Un peu, quelques boss quand même. Là, ça fait déjà quelques semaines qu'on n'a pas tombé de boss du tout. Donc ça va faire du bon. Allez, je rejoins les gens sur les. Pas Criséis. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Merci. Madame, s'il aura pas le droit d'aide. Bon, allez, t'as gagné, je te suis. Mais fais attention, hein, je veux voir mon perso vivant quand je reviens. Ah bah, il y aura peut-être une motion de raise, mais... C'est bon, je crois que tout le monde est là ou dans le raid. De toute façon, c'est déjà on est en héroïque. Ouais, on peut traverser la porte pour aller voir Inerva, mais non, on va voir... On va artificier. Artificier, ouais. J'ai un petit passager avec moi. Si j'accélère, ça casse le suivi ou il va suivre aussi vite? Ouais, ça le casse. Ça va casser. Ah ouais, il faut que je marche. Une portée. Je marche lentement alors. Même si j'utilise. Il paraît que j'ai oublié de changer mes talents. Bien sûr. J'ai oublié de changer mes talents. À chaque coup, j'ai l'impression que j'ai oublié, mais pas du tout. Et si un combat, ça casse le suivi? Il me semble pas. Non. La. Contre un mur, un poteau. Une chaise. Ouais. Allez, ramasse les boules pour moi, Lams. Ah non, ça m'a étourdi, j'ai pas réussi. Ramasse les boules. Ah, ils ont des montures, les mobles. Ah, il a une très belle monture. J'avais jamais vu, dis donc, j'arrive toujours en retard. Il me suit plus, l'âme. Oh. Que s'est passé? Voilà, il a voulu te faire confiance. Tu as détruit sa confiance. Moi, j'ai fait confiance, hein. C'est juste que. Oui, toi tu as fait confiance. Mais...
pourras tirer l'âme d'après Elsa pour le rapprocher. Bah dis donc. Ce genre de truc indécent, bon. Pas en live, hein. Waouh. C'est bon, Bila, il l'a TP. Il a TP où, Bila? Il a réavancé, putain, j'ai rien. Je peux pas le pousser, je peux le faire. Non. Je sens que j'ai trahi sa confiance, quoi. Et Shira. Je suis vivant. Tout s'est bien passé. Oui, du bol, hein. Tout s'est bien pas passé. De la chance, hein. J'ai vu qu'il était loin du pack. Il a préservé ma vie. Mais en fait, voilà. Le suivi s'est arrêté à un moment. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. Et donc après, on t'a poussé délicatement, on va dire. Putain. En fait, Nizia, tu peux passer en vindicte. Hein, ah, si la distance est trop grande, il s'arrête tout seul. Ouais, mais je sais pas, j'essaie de te faire ramasser mes boules de mon bijou, et quand t'as ramassé une boule, ça t'a enlevé le suivi. Chacun son truc. Voilà. C'est de faire ramasser tes boules. C'est un automatisme dans mon perso. Ramasse pas les boules. Un autoprotect. À moi. Non, je l'ai pas eu. T'inquiète. Je produis beaucoup de boules. Le pack a implosé. Je crois que tout le monde n'a pas envie de passer 15 heures sur les trash en fait. Ah, j'ai claqué des dessus. Ouais, mais moi aussi. Moi je ramasse des boules. Ah bah, le ramassage est important. Assassin de ses morts. Le pire. J'ajoute un objet, c'est pas mes stats, mais j'ai en dessous, donc je crois que je peux ouais, pas. Il y a des gants, il y a des gants, il y a des gants. Il y a des gants. J'ai un e-level en dessous, donc je crois que je peux pas. Ouais, dessous. Mais c'est un LQE, tu peux. Oh. Code. Ah. Et eh ben, joli. C'est bien, mais c'est en dessous. Enfin, comment dire? J'ai moins bien en e-level, mais c'est pas mes stats, donc c'est peut-être plus intéressant sur quelqu'un d'autre. En LQ, ouais, en plus. Ouais, bah faut voir. Positionnez-vous. Des petits plus 1, tout ça. Hein. Quoi? Aïe. Vorna. Et HV. Voilà. Bah, HV, c'est 99. Faut faire un rang de 99, c'est ça? Tu vois, ah, c'est l'inversé alors. C'était 1. Oh, Crisis. Et il faut tout. On rentre tous en fait, c'est ça? Non, ça c'était pour la blague. C'est ceux qu'on a vraiment besoin par contre. Allez. Oh putain, merde. En fait, d'ailleurs, je vais te demander ton avis, Nizel, parce que je me suis fait un légendaire qui augmente les dégâts d'un de mes sorts pour les cibles en dessous de 35%. Et je me demandais si c'était pas bien sur l'artificier, comme la P3, elle est plus rude. Ah, je sais pas si je le teste sur l'artificier en fait. Ah, sachant que tu seras normalement on pète l'héroïsme à ce moment-là. Sur la dernière phase? Bah oui. Ça peut être intéressant effectivement. Après, tu peux faire tes tests si t'as envie. Ok. Moi, je suis pas contre avoir les gants du coup pour pour pas perdre trop de stats. Pour la jouer. Alors derrière, tu joues pas vraiment parce que c'est du tissu, hein, c'est pas du cuir. Je comprends pas pourquoi on rende. Mais non, mais tu veux Delta quoi. Je... Pour ça jouer me la jouer. C'était du troll. C'était du troll. Et personne n'en veut en fait, c'est ça.
Si. Ils sont vrais qu'ils y sont. Ah, si, si. Ah bah, moi j'aimerais mieux. Bah, c'est pas très clair. Moi, pardon, s'il y a que Chryséis et que toi tu considères que t'en veux pas et que t'en as pas besoin, tu donnes directement à Chryséis. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de tissu ce soir en fait. L'âme. Pardon, l'âme. Je ne peux pas. Bon, allez. Ah, j'ai vendu. C'est vrai que l'âme, t'as que du 200, t'es sûr que t'en veux pas? C'est pas ah, stat, hein. Ah, sur les mains? Oui. Ouais, non, non, moi j'ai le stat, donc y a pas de souci, allez-y. D'accord. Non, non, j'ai juste fait la remarque, mais j'en ai pas besoin. Encore du tissu, quoi, comme de par hasard. Ouais, moi je mets du cuir. Cuir. Le seul démoniste en plaque, quoi. Ça serait... Eh ben, j'ai une chips, donc c'est vrai que ça serait pas mal. Merci. Ah, peut-être un jour un match de bataille. Ah, j'avais fait 19. De toute façon. J'avais fait 7, donc techniquement, tu sais. Bah voilà, comme quoi. Tout le monde pour que le cette salle c'est chiant. Oh là là, mais bon, enfin, c'est ce que Lams faisait au cac. C'est gentil au moins. Par deux. C'est bien, la guilde est en train de payer nos repas pour juste des trash, c'est cool. C'est la première fois que ça nous arrive. Non. C'est faux. Bouge pas trop vite, Niziel. Hein? Bouge pas trop vite. Oh non. Ah mais moi je trace, j'ai pas le temps. Vas-y, je t'en. C'est bon, j'ai trouvé. Oui, mais cours vite, hein, fais gaffe. Hein. Ciao les nerds. Il reste du monde ou je suis tout seul? Non, j'ai coupé juste au dernier moment. Non! Tu triches l'intérieur. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux tes glaives. Rien que pour toi. Faut bien avoir du DPS. Bonjour. Ah oui, mais je suis tout seul depuis tout à l'heure. J'en ai buté deux entre temps. Oh. Eh bah, ben, c'est le raid du... Et... Allez, du cuir, voilà. Super, super, super. Ad poli, moi ça me va. Merde, au début, c'est où? C'est à gauche direct. Ok. Mais très bien, ça. Eh ben... Ah, et bah, presque 99. Et bah, ça, moi, c'est du 220, donc y a pas de souci. De toute façon, c'est du LQE, du puffy. Oui, mais même, oui, j'aurais mais pu pouvoir me les garder pour moi, hein. J'ai le droit. Eux qui même. Sont en cuir et qui veulent, oui, il a le droit de les garder pour lui. Sans doute quand même à la base, hein. Kalta vient de se connecter. Ouais. J'avais prévu. Ouais, je suis là. On va être quand même 13. Ouais. Ouais. C'est bien. Tu peux le relink le loot, parce que j'ai pas vu. Ah, je vois le pack devant. Boire. Go. Allez. C'est Ad Poli. On te fait un portail après, hein, Kalta. Ouais, ouais, y'a pas. Vous... Ah oui, par pitié. Ah, j'ai encore du mal à cibler, mais c'est quoi ces soirs là où j'ai... Utilise tes doigts.
Ouais, non, mais autiste au monde. Je reste avec mon ami, non. Ouais, j'aurais pas dû. Je suis étourdi. T'as bien l'agro là ou pas? Ouais, j'ai rien du tout là. Si je me bénais de protéines. Ouais, j'ai la mienne aussi. Hein. T'auras le réflexe? Ah, vas-y. Hein. T'as les doigts dessus. Il a spam. Attends, du loot là-bas. Je le vois. T'inquiète, c'est un verre. Ouais, c'est sûrement un verre. Ah non, c'est un suaire. Un suaire. Un seul en plus. Hein. Même pas un. Même pas deux, je veux dire. Un. On reste bien dans les graines, s'il vous plaît. Okay. Faut socler les troubles. Je teste la soumission de mon raid. Bon, par contre, ouais, je vais essayer d'annoncer ce soir, du coup. Les graines? Non, tout. T'es pas là. Ouais. Ou si quelqu'un se sent vraiment de le faire, mais... Non. Non. Non, pas. Et en plus, tu prends les graines. Après, ça reste les mêmes mécaniques, donc normalement, vous... Même si je me trompe, vous allez savoir. J'ai rien de... Quelqu'un d'autre pour le pour les bandelettes ou personne que Ted? Ted, non. C'est honteux. Attention, graines. Je l'ai pas annoncé par hasard. Je me suis demandé si t'allais reprendre l'agro. Ouais. Non, parce que je tape même pas assez fort. Ren. Et allez hop, un deuxième mort. Ah cool, j'ai eu mon loot, j'ai eu des ingrédients esquis. Je suis joie. GG. Graine de nouveau. Putain, il est pas mort le. Non. Je revitalise. Bon, cool. Ouais, merci pour le raise. J'ai des belles de l'aube. Bon bah si ça n'intéresse personne d'autre, je te le file Ted. Vous êtes sûr hein? Non non, je demande juste comme ça. Oui non mais t'as raison. Qui ne parle pas à qui c'est. Consent. Qui voilà. On fait un portail s'il vous plaît. Lams, s'il te plaît, si tu peux faire un portail de... Bah parfait. Mais il est déjà là. Ok, bah j'ai un dit. Merci beaucoup. De rien. 20% de loot. Merci Atis. Merci. En espérant que je bug plus. Ah, c'est vrai que la dernière fois c'était terrible quoi. Ah bah je tapais une, j'ai lancé une flèche et terminé. Moi j'ai reçu la minima par courrier mais c'est tout ce que j'ai reçu. Hein. Ça veut dire que t'avais l'autre d'autre. Pour les bonbons. Y'a un chaudron ou pas ce soir? Y'a de quoi le faire, je pense, en bande de vie. Non, mais je demande juste. Hein. Non, mais c'est juste qu'il faut prendre les. C'est comme d'hab en fait. Moi, j'ai pas accès à. Mais Atis peut prendre, on peut se servir. J'aurais dû racheter. Hein? What? Quoi? What? C'est une mascotte.
Quoi? C'est des animaux, d'accord. Bah, faut qu'ils prennent l'air avant de finir en cage. N'oubliez pas de prendre vos deux flocons. Vos deux flocons. Vos deux flocons. Vos deux flocons. Ouais, mais pourquoi j'en ai pas? Ok. Bon, de toute façon, tout le monde se rappelle de la strat, hein. C'est la même qu'en normal, on a juste les pièges en plus. Oui. On a juste les pièges en plus, donc de temps en temps. Ah. Et cette fois-ci, on n'a pas Vorna pour le. Il pouvait pas le faire de toute façon, mais. Mais. Mais on s'en souvient, on essaie de prendre, d'aller prendre quelques pièges dès qu'on a une immunité. Moi, je m'en souviens pas, j'étais pas là jeudi dernier. Alors, c'est exactement ouais. Si tu veux, t'as exactement les mêmes mécaniques, sauf. T'as une mécanique en plus. Mm-hmm. Tu vas avoir des petits pièges qui vont tomber au sol aléatoirement ou en dessous des joueurs. Je peux plus enregistrer. Joueurs, c'est... Est-ce qu'ils sont rouges comme ceux qu'on voit dans le raid ou... Non, c'est des gros blancs. C'est des blancs comme le portail un peu. Blanc. Ça ressemble un peu au portail. D'accord. Ouais, de l'autre côté de l'artificiaire, je sais pas quoi. La connasse. Tu te souviens ? Ouais, l'autre côté, ouais. Ah ok, voilà. Je vois, ok. Voilà, et il faut surtout pas aller dedans parce que tu t'es emprisonné, tu peux rien faire et tu perds des vies. D'accord. Et voilà. Si quelqu'un se fait emprisonner dedans, tu peux taper pour le piège pour le délivrer. Exactement. Okay. Et on peut les enlever avec les immunités. Donc par exemple, on a Hades, moi, Lantaria, t'avais testé, je crois que tu pouvais. Non, ça marche pas. Ça marche, non, ça pas. Marche pas. Avec donc, un bloc de glace, peut-être que je pourrais le retirer sur moi. Ouais, voilà, tout ce qui retire des immunités aussi, l'enlève. Faut savoir. D'accord. Et moi, je peux, je mets l'aspect de la tortue. Voilà, c'est dans, ça. Je peux passer dans 6 ou 7. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Ça marche, c'est trop cool. Donc, on est 3 à pouvoir les enlever, au moins. Je pense que c'est tout. Hein. Donc, voilà, on fera un petit tour de temps en temps. Faudra juste faire bien attention à pas être dedans. Quoi. Et les portails, on se fait aspirer sur le milieu, là. Les si portails, ouais, il faut attendre. Et... c'est toutes les 33%. Du coup, je vais pas les. Oui, ce putain de truc. Le quoi? Pour afficher les pourcentages. Je le mets jamais en fait. Sur les points de vie du boss. Ah, dans tes l'interface. C'est. Ok. Ok, bon bah je vais faire un appel. Tu peux pas mettre des marqueurs pour les graines? Tout le monde soit clair? Bah tout le monde sait où il doit aller. Hein. Bah, moi je veux bien les mettre, hein, mais. D'accord, ok. Tout le monde sait qui prend une graine? Vas-y. Est-ce que c'est les mêmes personnes que je dis ou est-ce que j'en prends une? Merde. Moi j'en prends une, je me mets au niveau de l'artificier. Là où il est, tu vois. Alors, normalement t'as une graine. Et moi la deuxième graine. Graine qui est par là. Au fur et à mesure. Graine qui est par là mais qui bouge pas. T'as une graine qui devait être par là normalement. Et t'en as une au cac. Je peux pas mettre de marqueur, ça nous embrouille. Pas de marqueur au cac. Ok, voilà. Donc là, vous les réunissez autour de la lune, donc là, les graines. Qui ont oublié, pas oublié les portails, je vais essayer de les annoncer correctement. Pas un couleur, rien oublié, n'hésitez pas. Et donc, juste ceux qui sautent des graines, moi je suis au cac. Ok, au cac, Calta, je vais prendre soit la bleue, soit la bleue. Non, je me mets pas au niveau de l'air bleu. Je vais prendre la verte. Okay. Et donc Atis au milieu. Au milieu. Quoi?
La orange. Ouais, la orange. Non, non, la... En clair, non, il y en a pas. En clair, il y en a 3 à récupérer. Parce que la dernière est déjà placée là où il faut. Ouais, orange, c'est pas une graine. Ah non, c'est pour le portail. Le deuxième. D'accord. Le dernier. À partir de 40%. Ok, bon bah tout le monde était prêt, hein. Par toi scellé donc. C'est Thibaut qui prend en première. Ok. Les pièges. On en sort. Les lignes. Attention fixée. Ah ouais, c'est repris. Paille explosif. Donc les esprits. Siège de étincelle luminescente dans... On va voir les pièges dans 11 secondes. Les failles. Piège. Je vais faire le tour des pièges. Les graines. Nettoyer normalement. Oh putain, j'ai pris le TP, je suis désolé. T'es mort, Atis. Oui, pardon. Les graines. Je réincarne. Ah oh, pardon, j'ai annoncé trop tôt. Ah, désolé, Varna. C'est un petit peu drôle. Là, c'est les graines. Les failles, attention. Bye. Graine. Ah, la dernière phase de graine, hein, sûrement. Ah, trop lentement. Au milieu, le... Milieu, ouais, le parfum. Attention Bila. Hein. Je suis dans un piège.
Oh, laissez-moi dedans. Le deuxième portail est pas au milieu, faites attention. Ah ouais. Eh bien, autant dire que je suis mort. Ouais. On recommence. Par contre, les portails, c'est possible de pas le mettre près de mon cercle démoniaque, parce que dès que je l'utilise, je ratterris dans le portail et je me retrouve en plein milieu direct. Ouais, mets-toi à gauche du boss. Si vous voulez que je le décache, hein, mais il faut juste non, pas le mettre. Tu peux le laisser là, on va le mettre on le met le plus possible à gauche du boss. Bah après, de toute façon, quand il y a des pièges aussi, faut faire gaffe, quoi. Ouais, ça, je sais. Parce que là, en fait, j'avais pas d'autre choix que de reprendre le portail et j'ai essayé quand même en sachant que j'allais le manger. Bon, on est arrivé à la P3. Bon, désolé si c'est un peu brouillon mes calls. Hein. C'est ok. On t'en veut pas. On fait attention aux étincelles, okay. Léine. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quelquefois elles rebondissent plusieurs fois sur la même personne. C'est ça qui fait les très gros dégâts. Donc soyez bien attentifs. Ah si. Ah c'est bon, je plaisante. Sonic plus rapide. On peut le tomber, il faut moins de morts à la phase 2. On évite bien les pièges. Il y a 40%, donc bon, on va essayer de l'annoncer, mais. Est-ce que c'est le même temps pour les graines ou ça diminue après? Non, c'est le même temps. J'ai eu l'impression que là, non, avec Crisis, ils sont morts avec les graines. On est en train d'arriver vers le portail et elles ont explosé. Non, c'est le même temps. Moi, en fait, c'est juste qu'il y a eu des fois où j'ai dû poser le portail au fond. Ensuite, j'étais TP au cac du boss. Et du coup, après, il fallait que je fasse le trajet vers ma graine, puis de ma graine vers le fond. Et c'est vrai que ça m'a fait perdre un peu de temps, mais bon, après, c'est l'aléatoire de qui pose les portails. Donc tu peux le dire quand c'est comme ça, hein, quelqu'un d'autre. Si jamais vous sentez que vous n'allez pas arriver, je sais pas, peut-être j'aurai la portée à un moment, et dites-le pour que j'essaie de saut de foi quelqu'un. Ça peut sauver aussi, des vies, ouais. Moi je me rends pas trop compte. Ok, parce que je sais que je peux me sauver une fois avec le bloc de glace, je peux survivre à une explosion de graines, mais... Bah, si vous sentez que la graine va vous exploser dessus, essayez, et puis on verra si... Bah, j'essaierai, mais généralement, je suis vraiment, vraiment tout au fond, quoi. Surtout, faut pas mourir en P2. Je préfère autant que vous mouriez en P3, parce que vous avez pas bien géré la l'aspiration plutôt qu'en P2, quoi. Dans un premier temps, en tout cas. Ouais, essayez vraiment d'éviter les lasers au sol, là, les grandes bandes, parce que il y a vraiment beaucoup de dégâts dans le... Ça déchire l'anus. Ouais, mais il y a vraiment beaucoup de dégâts un peu aléatoires qu'on... Donc, voilà. Ok, c'est prêt. C'est Vorna qui commence, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je le prends, premier. Piège. Là, les failles. Piège toujours. Hein. Les failles. Ah désolé, ouais, j'ai oublié d'annoncer les esprits. Je
Les esprits. Les failles. Les pièges. Graine. J'ai détruit les pièges. Ok. Piège. Il m'a ouais, il m'a attrapé. Il va y avoir les graines dans maintenant. Non. Si. C'est qui maintenant? Je vais faire le tour pour les pièges. Hein. Les dernières graines. Les dernières graines, ouais. Et après, on mettra les portails au milieu. Le portail cac au milieu, hein. Il y avait un piège jusqu'à ce que je suis téléporté, quoi. Super. Ah, ça. Le portail, voilà, au milieu, hein. Stan. On fait gaffe, il y a un piège juste à côté du... Héros ? Et héros. Personne peut détruire les pièges. Ouais, mais là c'est compliqué. Hein. Il manque du monde. Faites gaffe, sur le chemin il y a des pièges. Ah. Ah non. Mais je dis ça, il y a Morna. Il y a Morna, il fait ok, je prends. Non, je vais bouger. Après, si on est bien et que vous faites prendre, et que vous savez que vous allez vous faire prendre et qu'il y a un piège devant vous, vous pouvez le prendre pour éviter l'annihilation. Ça m'a fait rire parce que pile celui que je regardais, c'est celui que tu te manges. Allez. J'ai voulu le bouger, enfin l'esquive, mais. Ah, ça va, c'est mieux qu'avant, quelques morts qu'on a eu au début là. J'ai fait merde, j'ai pas de bulles. Et bah, et puis en plus on a eu les deux îles qui sont morts dès la première. Très pas. Un rythme à prendre. Non. Et un bouclier. Déjà il y a une progression donc. Les boucliers de prêtres, ça pas vous savez. Non, ça fait pas assez de... Je, de je, ce que,
Si vous êtes collé au mur, je peux. Je mets à chaque fois ma ruée, mais ça suffit plus. Hein. Bah moi je suis avec mon dada. Avec mon dada, je suis limite en fait. Et tu rajoutes une ou deux secondes, je suis aspiré. Faut pas que tu le mettes tout de suite en fait. Faut que tu la mettes en dernier. Enfin, en dernier. Ouais. Disons vers les derniers moments, parce que plus l'aspiration. Enfin, il aspire beaucoup plus à la fin. Pensez à vos sorts de congrès aussi. Surtout les Fae par exemple, je pense. Vous pouvez vous TP et accélérer. Sinon c'est bien. 100%. Relâche pas. Donc le buff intel. Sinon, Nisiel est passé intelligent. C'est difficile de dire les strats. Est-ce que j'ai tout pris? Non, hop. C'est bon, Lams, ou pas du tout? Je vais encore mettre le portail. Ok. Piège, attention. Et faille. Les esprits. Et les pièges. Faille. Les pièges et les esprits. Lams. Piège dans 5 secondes. Oh putain. À chaque fois, désolé. Y'a pas de soucis. Hey, je me tape tous les portails, je me tape tout quoi. Donc comptez pas sur moi pour le DPS. Hein. Pas grave. Donc tu survis, c'est les graines. Faites gaffe, il est pas super bien passé le portail. C'est au mieux. Hein. On recommence. On recommence. On recommence. Oh, on est bien, on est plus bien, quoi. C'est pas juste. En effet. Ah non, mais niveau DPS. Ah, je me suis.
Je me suis tapé aucun portail cette fois, alors que la dernière fois je l'ai eu 6 fois. C'est trop cool. J'ai rien fait. Pris. T'inquiète. C'est fait pour chasse, j'ai dû prendre les portails à chaque fois qu'ils apparaissaient. Ça c'est complètement aléatoire, hein, donc... Là c'était pour le coup, ouais. Ça, c'est vrai que les gens qui n'ont pas de portail, qui n'ont pas de mécanique, ils peuvent faire plus de DPS. Donc appuyez fort sur... Par contre le portail c'est au fond de la salle, hein, jusqu'à 40%, hein. C'est pas là au niveau du bleu. Hein. Ouais ça c'est moi, j'ai dit... Y a pas de soucis, mais je tiens à le redire au cas où, quoi. Non, tu peux bien. Alors effectivement, je me suis dit que je peux lancer un truc avant parce que à chaque fois je claque mon trinket et puis et ben, à chaque fois je dois apparaître dans le livre. Borna, c'est les, je ne dirai rien. Je vous ai regardé partir. Je suis parti à gauche, il y a Borna qui me suivait, je me suis dit bon, ça doit être là. Et les portails à gauche du boss, s'il vous plaît, pas à droite, à gauche. Mais je suis pas dernier, hein. C'est Borna qui est dernier. Hein. Les derniers quoi? Au DPS. Ati, ça m'a appris un truc. On va mettre un symbole pour vous dire où mettre le portail du boss. Ouais. Pour le crabe. Bah, c'est à gauche du boss. C'est-à-dire. C'est-à-dire. À sa main gauche et à sa main droite. Exactement. À notre gauche ou à sa gauche? Exactement. N'est-ce pas, hein? On se rappelle? De quoi tu veux parler? Mais est-ce que les vampires ont une gauche et une droite? Ah, ça, c'est une bonne question. Je vais essayer de rester cordial. Ils ont pas de replay, mais ils ont une... Bah, je sais pas, ah non, mais en y repensant, j'ai repensé aussi au fait du droite-gauche, même sur Denatrius. Hein? Le droite-gauche pour les mobs, hein, pour les adds. Effectivement, oui, il y a du droite-gauche. Ah, n'est-ce pas? Donc Là, sur Denatrius, tu peux soit regarder au centre de la salle, soit regarder Denatrius, quoi. Je veux dire, là, il y a une vraie difficulté. C'est pour ça que j'avais dit miroir. Le portail, je le veux là. Fixe miroir. Très bien. Vous n'êtes pas dessus exactement, c'est pas grave, mais en tout cas dans cette zone. Non, je suis pas prêt, j'ai pas mangé. DiCaprio. Mais si tu mets le boss plus sur la gauche, en fait, si ton symbole passera à droite, non, Nicolas? Ok pour moi. C'est ça. Bon, allez. Je vais m'en faire un. Ah, faut voir avec l'antérieur. Hein? Allô? Tu vas y aller, un message. Se faire prendre. Allez, un peu de concentration. Allez, commence. De merde, pardon. Vas-y. Les esprits. Parce que du coup, j'annonce rien. Hein. Okay. Les pièges vont arriver dans deux secondes. Attention, il y a un piège au corps à corps. Déchirure. Et les failles arrivent dans 3 secondes. Esprit, excusez-moi. Les failles.
Les failles arrivent encore. Graines. Les failles. Les pièges. Les graines. Thérèse Attissant. Alors, on déplace tête parce que là on est vraiment dans le mur. Les failles maintenant. Piège. C'est quoi là? Les graines en fait, elles avaient pop et on les avait pas vues. Mais Orvorna. J'avais pas l'annonce. Peut-être pas lu. T'as le portail, hein. à part Kalta, qui peut clean les pièges? Hades, c'est moi. Allez, c'est toi. Okay. Moi, je peux en clean un toutes les 4 minutes. Et à la limite, Vorna, quand il tanque pas. Mais je préfère qu'il garde ses CD au cas où, quoi. T'es pas mort du... Ah, voilà, enfin. Merci, les petites Dez. C'est que là, je suis mort au moment où... En plein aura de vindicte. Je voulais pas gâcher ça. Et on se reconcentre. Il y aura moyen de refaire pop des bonbons avant le pool. Mine de, les petits pièges, ça complique un poil le truc. C'est le but. On va bien les placer, les pièges, vraiment. Tu peux les placer entre parenthèses, en fait, mais... Je veux dire, vraiment... Je me posais la question si ça serait pas mieux de bouger le boss un petit peu. Non, parce qu'après, ça... Pour moi, faut pas bouger le boss. Clairement pas. En gardant un arc, hein, tu vois, genre se mettre plus sur la droite, là où t'as les trois cadavres, là, ou un peu plus sur la gauche, tu vois, quand il y a trop de petits portails. Tu vois, et décaler vers la lune pour les portails, etc. Plus que d'aller vers le bleu. C'est que sur le chemin, il y aura des pièges et tout. Je pense pas que ce soit le mieux. Ok. Je peux avoir une reste, s'il vous plaît, je fais ma feignasse. Les souliers fantomatiques. Ça vaut quoi ? Il n'y a même plus de souliers fantomatiques. Normalement, avec 3 clean de piège. Thanks. Oui, mais c'est juste que là, j'y suis pas passé du tout, moi. Ouais. C'est que vu que j'ai 8 secondes, je peux clean un max en fait en utilisant mon pas le froid.
Pierre. Hop. Merci pour les pierres. Allez, on se concentre. Portail. Et les esprits. Les failles. Putain, j'ai marché dans un. On libère. Bah, profite pour nettoyer. C'est pas grave. Libéré. Piège. Oh, putain. Fantôme. Fantôme en même temps. Je vais aller nettoyer les pièges. Attention, hein, pour le portail, il y a deux pièges qui sont au cac. Hein. Graines et failles en même temps. Attention, hein, parce que là il y a une graine qui est pas là. Les failles arrivent dans 2 secondes pour moi. Les failles. Les graines. Fais gaffe au piège. Tiens, on réavance pour éviter les. Aïe. Attention au piège. Graine. Graine. Oui, graine. Graine, graine, graine. Ce sera les dernières. Hein. Après, le portail ira au milieu. Au milieu, l'âme, hein. Au milieu, l'âme. Ouais, je suis un peu pas avant. Faites gaffe sur le chemin. Je vais mourir. Voilà. Donc faille. Je suis morte sur la route. Ouais.
Jetez dans, mettez-vous dans les pièges. Fais un dernier try, après on fera la pause. Ok, ok. Je prends le premier boost, Célie, j'ai pris mon totem. Devant. J'ai respect pour la bouffée de vent, ouais. Donc je prends le premier, je le mettrai en. Je pense à 2-3 secondes, parce qu'il dure 10 secondes. 15 secondes, pardon. Et on a 60% de chance. 60% de speed. Mais okay. Au cas où, essaye de le mettre. Voilà. De toute façon, de toute façon, il faut. Il faut que juste avant l'annihilation, les personnes essayent de coller le maximum de murs, sinon c'est pas. Par contre, c'est pas comme la ruée, il faut que vous soyez dans un espèce de rompe. C'est comme si c'était un peu voluté. C'est un donut de vitesse, tu veux me dire, Atis, c'est ça? C'est ça. Exactement. Mais de toute façon, vous le voyez, hein. Enfin, c'est vraiment comme des petites, comme de la petite buée. Ou vapeur, pardon, plutôt. Le pourtour. Comme le nouveau dessin animé qui est sorti. Qui va sortir, il bouge tout. Hein? Je connais pas. Il y a un nouveau dessin animé qui va sortir, il s'appelle les bouge tout. Ma fille a vu ça. En gros, c'est des donuts vivants. Elle me dit que c'est de des personnages en fourrure. Et des bouge tout. Un peu bizarre quand même. Tu dans un autre monde. Chacun son délire. Tu regardes sur internet. Ah ouais. Allez, on essaie de se concentrer là. Ce serait bien qu'artificier tombe. On l'a tombé à 18%. On peut tomber. Plus de survie. Quelqu'un vous donne de survie. Et puis. Je rappelle les patterns des les pièges, ceux qui peuvent les enlever, on fait le maximum. Après, on n'a pas. C'est pas infini. Donc, faut un maximum garder. Faire gaffe aux pièges. Et faire gaffe tout court là où on met le portail aussi. C'est vrai qu'on les colle pas, mais le moment où on prend les dommages, c'est glyphe de destruction. Hein. C'est quand le tank doit partir loin pour pouvoir. Pour stocker la glyphe, c'est ça qui fait des dégâts. Donc, il est juste après la glyphe. C'est le moment critique. On voyait un des tanks partir avec une grosse aura blanche autour de lui. Vous êtes sûr que vous allez prendre des dégâts? Ouais, c'est bon. T'es prêt? Ça va. Je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre en premier. Bye. Esprit. Et tu l'as. Piège. Bye. Piège et esprit.
Piège. Et faille. Grève. Allez, l'aîné. Okay, donc piège. On a deux au cac. Fais attention. Bon bah. Bye. Là, il y a une... Ouais. J'ai pas vu. Voilà. Ok, on va jusqu'au bout du try quand même. Piège. Mais au milieu ou pas? Ah oui, 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 pardon. Ouch, pas très au milieu. Eh merde. De toute façon, je suis allé dans un. De toute façon, on n'aurait pas. Non. On va en pause de toute façon. Oui, on va fermer. Pour autant, si on pouvait mourir pour se déplacer. Allez, Thibaut. L'intérêt, tu ferais mieux de fuir. Allez, on peut le tomber, faut se concentrer. Elle a métamorphose quand même. C'est la pause là, non? Ouais, 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 ouais. C'est les crêpes. J'aurais dû dire non, non. J'aurais dû. J'ai réfléchi avant. On aurait reset sinon. J'ai pas entendu, Chrysalis, si t'as dit que t'étais morte. Pardon, tu m'avais... Moi, bah, comment dire, pendant le trail?
Ouais, parce qu'à un moment, je crois que tu étais morte. Ouais, c'est ça. Je suis allée faire la graine. Oui, en fait, je suis morte, scellée ma raise. Et en fait, j'avoue qu'effectivement, j'aurais dû la faire ensuite. J'ai vu que tu as été la faire et j'étais totalement... Enfin, comment dire, je suis... ouais, je suis morte. Ouais, je suis morte deux fois, en fait. Donc, j'ai dû la faire quand j'étais morte la deuxième fois. Non, non, c'est pas grave. C'est juste que même si ça va pas, n'hésitez pas à demander. Moi, je sais que je suis assez mobile, mais il y en a d'autres qui sont aussi mobiles. Non, j'avoue que j'étais carrément plongée dans mes pensées à me maudire, à me dire « Mais merde, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et du coup, j'ai pas pensé à dire « Je suis morte, faites-le, s'il vous plaît !» Ok, allez, pause. On va dire jusqu'à... C'est un peu plus tard que d'habitude, mais on va dire jusqu'à 12. Voilà. Allez, à tout de suite. Mais je pense que je dois mettre la graine trop loin, peut-être, parce qu'à chaque fois, je meurs parce que je n'arrive pas à retourner vers le portail. Tu la mets juste à côté du portail, en fait. Hein. Ouais, ouais. Tu l'as, juste avant de prendre le portail, tu la poses et tu vas. Bah, que des fois, le portail, il est un petit peu plus vers le milieu, donc j'essaie d'arriver de la mettre à fond. Quand c'est moi qui dois mettre le portail, j'ai zéro mobilité, quoi. Donc, je me traîne en mode. Et je le mets pas assez loin, je pense, mais je. Au niveau de la lune, du coup. Ouais. Mais pas forcément derrière la lune. Non. Okay. Voilà, il y aura assez de place. De toute façon, on va essayer de se coller. Normalement, on essaiera de se coller tous au mur. Et sinon, on voit les petits... Faut que je trouve aussi comment ça marche, le point somnambule de mon lien d'âme. Parce que normalement, si je me repose 60 secondes, ça me donne un bonus à la vitesse de déplacement pendant 30 minutes. Mais du coup, je me repose comment? Genre en mangeant pendant 60 secondes? Et du coup, j'essaye de voir comment on fait. Mais en même temps... C'est pas repos en mode quand t'es dans l'auberge? Ah ouais, du coup, c'est pas facilement applicable en raid. Je peux pas faire « Hé, je vais au riboss !» Vous me TP entre chaque try, merci. Bah, en vrai, si on a un démoniste, ça coûte rien. Et ça te booste. Ça fait une perte de temps, quand même. Ah, tu veux dire, c'est pour combien de temps il faut que tu restes reposé? 60 secondes, donc déjà, bon, certes, je peux me TP. Ah oui, non, parce que je suis mage, mais bon, voilà, entre chaque try... Là, pendant la pause, on t'installe un petit couffin. C'est vrai que déjà, pendant la pause, je peux déjà au moins aller en capitale. Tu te Attends, je crois que j'ai des coussins. C'est où? C'est dans les coffres à jouer. Ah oui, On pourrait aller poser en raid. Tu mets des petites huiles essentielles et puis... Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ça m'a dégoûté quand j'ai vu ça. Mais, nul. C'est horrible. Oh, je crois que c'est zébré, c'est celui zébré. Oui. Que j'ai. J'ai l'ananas, le safari et le zébra. Ah, je veux le safari. Non, le nananas. Le nananas. Ça sert à rien, donc c'est indispensable. J'ai le siège de pêche aussi. Je suis fière. C'est drôle, les libellules. Tu voles. Oui. Mais il y a des petites libellules aussi au-dessus de moi. Ah ouais. C'est quoi comme jouet qui... Libellule capturée. De Link. Hop. Oh. Je sais vraiment pas où j'ai eu ça. Vol assisté bastion. Bon ben voilà. Hop. Le meilleur jouet. Hop. Une marmotte dégageable. Oh, c'est dégueulasse. Qui y va maintenant? Je sors. Elle a disparu. Oh non. Tant mieux. On peut se mentir, tant mieux. Voilà, j'ai mon bœuf de 30 minutes. Je vais revenir.
Une sorcière. Tiens, attends, t'es où Thibaut? T'es là? Là. C'est la lumière de la ronce sur Niziel ou... Non. Vous entendez la musique de ma chouette ou pas? Non. Oh. Non, non, c'est lié qu'à toi. C'est bien dommage. J'aimerais bien pouvoir casser les couilles à tout le monde avec ça. Bah ouais. Ah ouais? C'est vraiment lié qu'à la personne? Merde. Oui, je suis trop déçu, moi. Ça m'arrive très souvent de mettre ça, justement, pour faire chier tout le monde. Sauf que ça me fait chier qu'à moi. Mais il me semble qu'on pourrait. Ça sent pas... Bon. C'est bête, hein? Merci de me prévenir. Je vois que t'es pas Ventir, Ted. Ah ouais? Parce que c'est pas ça du tout, les paroles. C'est noir, je retrouve l'espoir. Voilà. Non, non, mais je parlais du boss de Milouz, dans l'autre côté. Hein, dit, ah oui, c'est noir, y'a plus d'espoir. Il dit pas ça? Il dit ça? Si. Je crois qu'il dit ça. Ouais. Putain, mais y'a un coffre dans le coffre. Ouais, c'est horrible. Ouais, il y a un coffre dans le coffre, dans le coffre. Quelqu'un peut se transformer en... L'attrape-là. Quelqu'un peut se transformer en mouton, ou en genre en brebis, ou en chèvre, ou pas. Putain, à la fin, il n'y a pas un petit coffre? Oh non. Celui-là, alors. C'est quoi, ça, une carpe? C'est une carpe. Encore. Oh, la carpe. Où allez-vous, la carpe? Allez-vous, la carpe? Je fais la carpe. Elle est là. Non, je contrée. Oui. Le bon angle. Quoi? Tac, on va pouvoir repartir. Rebuvez vos flacons. Bon, tout ça. Et de se concentrer, on peut le tomber, hein. Putain. Juste une chose. Qui a lancé la faveur du tournoi? Ça m'a cramé une bouffe, putain. Putain, mais moi aussi, mais tu vois. Je sais qu'après c'est compliqué, mais est-ce que les distances pourraient être tous sur moi ou tous au même endroit pour le premier pop des pièges? Parce qu'il n'y a pas de raison d'être dispersé et de mettre des pièges dans l'axe de la salle. Et après, ça ralentit vraiment les gens pour aller poser les portails et tout ça. Donc, essayez quand même que la première pose de portail, on peut vraiment la mettre là, par là, et comme ça, elle ne branche pas. Et de se paquer un maximum. Voilà. Et puis pareil, essayez d'éviter, quand vous reprenez... Je sais, après, c'est très dur. Hein, mais essayez d'éviter d'être dans l'axe toujours. Comme ça évite d'avoir des portails vraiment... à part si au corps à corps. Les pièges, tu veux dire. Ouais, les pièges, pardon. Des pièges, portails, des machins. Au moment où je lance, quoi. Incroyable. Ils sont où, mes soeurs?
Allez, on se concentre. Allez, paquet s'il vous plaît. Un peu plus loin. Les pièges. On portail. Je suis dans un piège. Ouais, bah. Et on reprend ? Désolé. Ouais, ça. Ouais, on recommence. Il y a trop de pièges. Trop là, c'est trop. On commence. On commence. Comment ça, il y a trop de pièges ? Non, on s'est pris des pièges, il y a eu... Reste là. Je tank. Oui. Voilà. Bon, je suis rapide. Merde. Non. Die. Oh, bah tiens, tu vas. Oh bah tiens, tu vas rester tout le monde. Tu vas rester tout le monde, c'est cool. 10 PO serait-ce, 10 PO. Bon bah je reviens à pied. Ok. Ok. C'est tout était calculé. On relance direct. 8, 7. Non. Tiens, ça fonctionne pas. Ah oui, d'accord, mon CV ne fonctionne plus. Moi j'accepte, hein. Moi je suis un rapace. Hein, vous savez. Ah mais t'as call, c'est un sujet call. Voilà, il y a des gens qui sont soignés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. T'avais raise Elsa, c'est ça ? Ben j'ai pas votre habitude des raids, je pense. Je sais pas que c'était possible. Ce qui s'est passé. Mais en fait, moi j'essaie d'aller le plus vite possible et de raise très vite. De non, mais en fait je suis pas mort. En fait c'est pas que c'était possible, c'est juste que je suis pas mort. Il a reset avant que je meure en fait, à cause de ma graine. C'était totalement aléatoire. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut se concentrer par contre ? S'il vous plaît. Elsa, quand t'as mangé. C'est bon, tu peux lancer, merci. Allez, on essaie de se mettre encore un peu plus à l'arrière, s'il vous plaît, les distances, pour vraiment que les premiers portails soient loin. Oui. Piège, allez, on décale. Hop là, voilà, parfait. Portail. Paille. Fantôme. Esprit. Attention au piège. Il y en a un au cac. Portail. Série. Attention au piège.
la même merde que toi, tu vois. Ok, je vais enlever les prochains. Est-ce qu'on peut le remettre un peu au milieu, s'il vous plaît? Ouais. Attention au piège. Oh, putain. C'est bon, alors. Ils sont pas encore activés, je vais aller les enlever. Hein. Graine. Et là, ça va être graine, effectivement. Attention au piège. Meurs pas, on a plus de raise. Portail. Les failles. On aide Alès tout de suite. Ok. Il n'y a plus de raise, hein. On meurt. Toc. Crisis me vole mon piège, quoi. Et toc. Ça va, Elsa? On est confort sur la graine? Écoute, je vais te le dire ça dans une seconde. Ouais. Aïe. Je vais faire ta technique, là. Hop, ah, parfait. Vas-y, reste-nous. Trop bien la technique de la graine, on devrait faire ça à chaque wipe, comme ça du coup on meurt pas. Ouais mais j'ai libéré moi. Comment t'as fait? J'ai pas compris comment t'as fait. Bah parce qu'en fait, elle est tombée, elle est morte, mais après elle a eu son raise par son... Ah. Par son légendaire, et le boss était déjà n'avait plus de cible, donc il a des poules, donc il a disparu. Il a des poules. Donc tu réapparais comme une fleur, quoi. Comme une poule. Ça. Comme une petite canne. On peut changer l'âme de place dans le groupe de raid. Peut-être que ça cassera sa malédiction du fait qu'il se prenne toutes les chemins. Je vais mettre Saint-Tisane à la place. On est d'accord, hein. Je veux dire qu'il a dû s'en prendre 25 depuis le début, là, de portail. Facile, facile. Mais il y en a qui me ralentissent, je sais pas pourquoi. Allez, on se concentre. Et distance, essayez de vous mettre loin du boss, hein, toujours. C'est... Il faut vraiment que un maximum de portails ne passe pas sur les... dans le chemin des corps à corps. Isaïs, tu peux nous mettre le buff Intel? Merci. Les pièges. On bouge. Portail. Faille.
esprit. Et des pièges. Pièges maintenant. On se replace. Aïe. Piège et âme en même temps. Je détruis le piège. Ouais, mais j'ai des lags, c'est quoi ces trucs là? Ah non, je suis touché, ok. Désolé, je suis possédé. Il y a un trait et... sur le portail. Ouais, avec le portail, je sais pas pourquoi j'ai. Tapé Crisis. Je dis, vous pouvez pas taper Crisis et Bila en fait. En rouge. À se concentrer. Meurs. Piège. Portail. Paille et graines. Attention, on a deux pièges au cac. Enfin, même trois. Hein. J'irai nettoyer ce dé distant dans peu de temps. Paille. Je vais nettoyer ceux des distants. Là, il y en a d'autres. Hein. Graines. Bila, t'énerve. Balance sous. Bye. Piège. Faites gaffe, sur le chemin du portail, il y a deux pièges. Merci, Alès. On se prépare parce que va y avoir. Il y a trois pièges. Décalez-le un peu. Je te reste, Vorna, je te fais reste. On continue, on continue. Milieu, le portail. Milieu. On se décale un peu parce qu'il y a des pièges sur le chemin, des fois que. Mets ta puissance, Tara. Ok, un mort. Je peux ça, le faire ça, ça va. On libère Bila. Ça sera les héros après. On peut lancer les héros. Au piège au cac là, sous le boss là, attention. Je vais décaler, pas de problème. Je te l'ai repris pour le décaler. Ouais. Allez, on le détruit. On se prépare à aller au milieu de la salle. Oh putain! Moi je suis dans. Et merde, oh la vache. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas comment c'est passé. Et on continue. Ça peut tomber, ça peut tomber. Ouh!
Au milieu, Kepta. Bye. Attention au piège. Attention, hein, parce qu'il y a les pieds. Je suis dans un piège, Kalta. Ah ouais, mais. Il y avait trois pièges à la sortie. Ouais. Je vous tranquillise, c'est vraiment mon dernier cooldown de heal. Allez-y, tentez, mais. Piqué. Non, je perds à 10. C'est mort. Non, c'est bon, je vais revenir. Non, je vais pas revenir. C'est du mieux. C'est bien. Je vais peut-être pouvoir vous raise. Oui, je vais pouvoir vous raise. Ah ok, non. Cathy. Vas-y, ça peut pas raise. Et non, ça peut pas raise. C'est dommage que le bras zéro fonctionne plus, le vrai bras zéro. Allez, il y a du mieux, c'est bien. Je suis content là. Bon, le premier, normalement on peut tous survivre. Le deuxième, malheureusement, il a 2 minutes de cooldown, donc je peux pas reposer mon totem. Ah oui, il va falloir. De toute façon, va falloir s'habituer au portail du milieu. Ouais, parce que là, on en a 3, voire 4 à faire, donc avant de tuer le boss. Et encore, on a lancé tard là. Ah, mais est-ce qu'il faut la lancer après la première annihilation? Je pense que c'est mieux après la première. Ouais. Dans ce cas-là, en tout cas, oui. Enfin, c'est mieux. Ou sinon, juste après le dernier pop de graines, quoi, sinon. C'est là où il y a la plus grande fenêtre, peut-être. Je sais pas. Peut-être avec les graines, après la première, comme t'as dit, les graines, comme ça me permettra peut-être d'en sauter une phase. Ouais, on va tenter comme ça. Allez, on était à 9%, c'était... Merci. T'as pas ton sort de reste de masse, Elsa ? Si, mais je me dis bah, peut-être qu'ils vont réaliser qu'ils ont la route à faire et qu'on va pas les reste à chaque fois. Mais... Hashtag feignasse. Non, plutôt hashtag... Hashtag 1000 PO le reste, c'est tout. Et puis on va augmenter voilà, c'est ça. À chaque fois par 10, par personne. Ça commence à 10 PO, puis 100, puis 1000, puis 10 000, puis 100 000. Puis une monture Brocosaur, et puis après... Oh là, ça commence à être cher, là. Hein. Parce qu'elle a les cookies, là. L'âme, c'est la monture Brocosaur, là. Je tiens à te le dire. Hein, mais... Hashtag 1000 balles pour celui qui prend un bonbon. Ah merde! Tu vas devenir payant! Je compte 2, 3 000, 4 000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boca, il peut péter le compteur. Voilà, t'as perdu. Bon bah, c'est remboursé alors, c'est bon. Mais bon, j'ai aucune dette. Allez, considérons que j'ai pas de dette. Moi, je prends jamais de bonbons. Allez, concentre, s'il vous plaît.
piège. Portail. Piège. Les âmes. Ok, on tape sur Hades. Super. C'est bon. Portail. Pareil en même temps. Celui-là est un peu proche. Piège et âme. Si on peut faire un premier clean de piège. Ouais. Je vais y aller hein, parce que t'as du tout claqué. Mais lâche-moi en vrai quoi. On a un peu marre. Hein. Piège. Piège. Des graines. Juste derrière le portail, hein, faites gaffe. Faille. Piège. Portail. Graine. Et faille en même temps. Nerf pour toi, Ade. Puis là. Attention au piège, il y a un piège qui est pile à côté du cac. Super à l'est. Je suis mort, donc il faudra s'occuper de la graine. Je te reste. Les failles. Je le prends quand même. Hein. Ce sera la dernière graine. Les graines. Merde. Désolé pour le. Faudra me taper dessus. Héroïsme. On en a pas. Tapez-moi dessus. C'est bon. Héroïsme. Non, attends, je vais placer mon portail. Milieu, hein. Ou alors attends. Ah non. On pense plus à la survie qu'autre chose. J'ai déjà fait. Oh putain, je suis dans un. Putain, il y avait un piège derrière moi. Oh là là. Allez, on tabasse. Les failles. On va se concentrer s'il vous plaît. Je suis un peu proche. Oh, je dis un verbe. Quoi ? Vous pouvez pas, va y avoir bientôt, voilà. Attention parce qu'il y a les failles en même temps.
Des déchirures. Tu peux raise un DPS Hades. Bye. Attention aux pièges. Je vais essayer de nettoyer les pièges après. Hein. Mmh. Allez. On va se concentrer, même s'il ne reste plus beaucoup de monde. On te voit jusqu'à la fin du combat. Faisable, hein. 12%. Je vais pas te céder. Tu prends une patate. Voilà. Allez, il peut tomber. Non. Mmh. Pas là tout de suite. Ah. Tu le mets quand, ton gisement scellé? Là, je l'ai mis vers la fin, mais ça vous suffit pas à vous ramener. Hein. C'est à la fin, c'est tellement fort que si vous avez pas, s'il y a pas un cooldown personnel où il faut aller se... Moi, le premier, j'arrive à le prendre entièrement grâce au... Je dois faire rugissement plus célérité du tigre. À 200%. Tu vois Non, mais c'est parce qu'il y a mon totem pendant 15 secondes. Mais après, je pense qu'il faut effectivement se laisser bouffer. Et après, il faudrait que tu fasses ton... Non, mais le problème, c'est que je peux pas savoir quand les... Moi, je le fais quand après m'être laissé bouffer. Après, en fait, normalement, tu t'y vas à... Tu te laisses bouffer à 80%, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que je fais. Et après, normalement, il n'y a pas de souci, quoi, je veux dire. Mais là, bon, là, je me suis pris un piège. C'est passé autre chose. Dans le chemin. Je crois, sinon, oui, c'est un OPA. Si t'as une. Tu te laisses aspirer ou tu. Oui, puis du coup, tu peux encore faire tes sorts parce que ça te cut pas tes sorts. Donc en fait, moi, je me laisse aspirer deux fois comme ça. Et au moment où je reviens tout en haut, ben, c'est un moment où ça pète. D'accord. Parce que j'ai de la chance. Ouais, sans. Sans toucher ton bouton de marche en avant, jamais. Pas vraiment. En partant contre le mur, sans toucher le bouton avancé, t'arrives au truc et t'arrives à l'éviter. Après, essayez de regarder le cercle quand même qui est autour. Oui. En fait. Une fois, moi je le tenterai, mais deux fois, j'aurais un petit peu peur. Ouais. Très. Bah écoute, je me laisse aspirer en essayant d'éviter les pièges quand il y en a. C'est puis... parce qu'elle est en tissu, elle va beaucoup plus vite, tu vois. Ça glisse. Ça va éroder le dynamisme, ouais. Voilà. C'est-à-dire quoi, à la maille, on est plus lourd, c'est ça? Oh, ouais, et la plaque. Sinon, au niveau des pièges, c'était... ça racle le sol. C'était bien. Les âmes, mais ça, je sais. Pas toujours. Mais bon, ça se voit quand même. Deux gros nœuds. De vous. De toute façon, on est à peu près à 3 fois les âmes, 3 fois les graines. Bon, par contre, l'âme, c'est sa malédiction, c'est pas parti. Hein. Tu sais quoi ? Attends, je l'isole dans le groupe. T'as toujours la malédiction de. Ouais. Je vais prendre des bonbons, s'il vous plaît. Allez, 1000 PO. Où il est passé l'âme ? Je vois plus dans le groupe. C'est que je l'ai mis dans le groupe 8. Non, remets-le, s'il te plaît. Remets-le dans le groupe, parce que après, je peux pas lui. Je prends la sortie, salut. Hein. prends les loot. Bon, allez. On le tombe, cette saloperie. Ouais. Ouais. On a juste des petits bonbons. Ouais, c'est bizarre. Ah, les drogués aux bonbons. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous avez des pierres, sortez vos pierres. Si vous avez de l'OPO, de l'adéral. Lams, tu peux faire de soin? Merci. Sibylla peut faire quelques coups au corps à corps. Non, c'est bon, on a Boca. Non, mais c'est pour faire qu'il fasse du DPS, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm.
faites des PS, comme ça, ça tombera. Allez, on se concentre. Allez, bien à l'écart les distances. Let's go. Piège. Les failles. Fantôme. Piège. Allez, je vais me les faire toutes, quoi. Putain. Paille. Et j'ai âme. Oui. Moi tu piège. Portail. Paille. Graines. Et graines. Piège. Portail. C'est ça, ouais. Paille. On se prépare aux graines. Je vais en nettoyer après les graines. Pardon. Aïe. Que ça se reste tout de suite. Ok, donc là, hop, on va avoir... De nouveau les portails normalement et ce sera au milieu. Attention, il y a un piège au cœur. Tellement de pièges. Ouais, pourtant j'en ai enlevé pas mal. On en a enlevé pas mal. Je peux les enlever. Voilà, annihilation. Allez, héros. Et faille, hein, on fait quand même des esquives. Il y a des pièges, attention. Yeah.
Attention au piège, hein. Putain. Il voulait. Kalta est dans un piège. Allez, vous pouvez. Dresse pour. 7 secondes pour Arez. J'ai. C'est bien. Hein. Le glyphe. Vas-y, c'est un petit année là. Allez. Putain, un piège, quelconque. Un coup. On pourra pas te sauver là, Boca. Il y a des chemins. Ah oh, putain. Ah non. Ouais mais là. Ouais je suis. C'est chaud. Ah non. Non. Dommage. Ah c'est nul. Ah les pièges. Ouais mais les pièges à la fin c'est chaud. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de se mettre sur la trajectoire du portail. Oui, il faut qu'on se mette sur les côtés. Ouais. Ah, c'est dommage, ça. C'est con. Après, il y a des cacs aussi, nous, hein, qui... On a des pièges qui... C'est moins. Close. Un dernier try. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est reparti vers l'entrée, vers le... Bah ça fait que descendre, donc si on suit la logique. Allez. 15 jours plus tard. Ah oh, j'ai plus de potions par contre. Je peux t'enfiler. J'en ai 28 avec moi. Il m'en faut juste une, hein. Ou enfin deux à la limite. Ouais, ouais. Bon, on avance le temps que je les trouve dans le sac. Hein, parce qu'ils sont dans ma barre des sorts. Donc... Super, merci. Et normalement sur le combat il y a le temps de claquer deux potions si on pourrait pas. Hein. J'adore voir l'âme mourir quoi. C'est... Il se tue à faire son sort pour aller plus vite. Question que je me pose à chaque fois, je pose quand même genre à la repose. Vous êtes sûr que quand si je mets une pierre d'âme avant le combat, ça compte pour une raise? Ouais. Ça compte pour une raise, ouais. De toute façon, moi j'ai un raise quasi instantané, l'âme, donc faut pas se. On a des raises instant et toi normalement c'est à cast. Mais... Enfin, c'est vraiment rare qu'on te demandera. Alors, quoi. Allez. On suit le... On se... mange tout ça. Okay. L'âme, c'était prêt? Ouais, ouais. Piège. Hop les âmes.
les pièges. Je l'ai trouvé. Les failles. Les âmes. Phase 2. Piège. Les graines. Il faille en même temps. Aïe, hein, attention. Je vais les nettoyer après. Reine. Et piège en même temps. Et je nettoie. Attention, faille. Attention, piège, il y en a un au cac. Il y a d'autres pièges qui arrivent. On est au milieu. Ok. Allez, après là. Au milieu, hein. Fais attention à son placement. Héros. Je te reste Bila. Bye. Piège. Prépare. Oh putain là. Un autre S pour Varna. Pile sur la pile sur la 25 ligne. Secondes. Bon, ça tient. Écorce fer, s'il te plaît. C'est fait, c'est déjà fait. Enfin, j'ai fait il y a une seconde. Prêt. Allez, on reste concentré, c'est bientôt fini. Bye. Esquive un maximum. Allez, non, allez. Allez, on tape fort sur le touche. Et bon, bon, c'est GG. Bon, oh, let's go. Ok. Oh. Bon, l'espoir en l'humanité est restauré. Oh, wow. GG.
Bien joué. Bravo tout le monde. Bravo, bravo tout le monde. Allez, pour qui le sac? Nice. Qui avait posé un putain de Blingotron 5000? Ouais. J'ai ramassé pendant le combat. Mais c'est une bug de merde, oh, putain. La quête pendant le fight, putain. Oh, Nidiel, t'as eu la bug. Attends, ouais, je vais peut-être pouvoir les changer. Je suis désolé, c'est... j'ai, t'étais nerveux. Elles sont dans mes double barres, et j'appuie sur le bouton de double barre, et en faisant mes sorts, bah c'est la même chose. Moi je t'ai eu la bug. Eh bien, je vais pouvoir la donner. Moi, je remarque simplement quelque chose quand même. C'est que à partir du moment où l'AMS n'a plus fait les mécaniques, on est passé quoi. Donc l'AMS arrête de faire les mécaniques quoi. Arrête. Ok. Oula, la bague déjà, il y a 3 plus 1. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Tous les... Putain, on est tous polymétrisés, what the fuck. Les moines en sang. Non, non, mais si tu la veux, tu rentres, hein. Y a pas de problème à l'intérieur. Ah ouais, non, il faut... Y a pas de... Ok, donc là, je vais voir 3 rounds. Toi aussi, Non, mais pas toi, Varna. 4 rounds, parce qu'il y a Bila... Bila... Saint... Ah putain, Boka, il appelle des figures sexuelles étranges. Ah, ouais, c'est pour... c'est pour me séduire, ça. Ah, oh, le salaud. Bon, bah, Bila, viens c'est là. C'est hein. Beau, hein. Allez, l'enterrer, vas-y, juste pour le plaisir. Mmh. Achève-les. Et fais un 99. Je la veux pas après. Hein. Ah, oh, bah, bon. Tiens. Ah bah t'es aussi sexuel. Je suis très sexuel. En tout cas, je suis très content. Très content, c'est bien là. Très bien. Oh, 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 l'âme, il l'a gagné, même s'il la voulait pas. Je la veux pas. Heureusement que tu l'as fait maintenant, hein, parce que sinon, t'as cramé ton 99 pour la semaine en fait. Donc heureusement. C'est ça en fait. La dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai regretté. C'est pour ça. Heureusement, mercredi est une nouvelle semaine. J'espère que c'est une semaine WoW et pas une semaine IRL. À très bien tout le monde. Allez, maintenant c'est Inerva. Ouais. Allez, roi soleil, non ? Ouais, on va faire le salut avant, je pense. De toute façon, là, on reprend l'idée à la fois. Je sais pas, je réfléchis sur le fait si on fait pas directement l'héros. Hein. Au final, j'ai regardé le stuff de tout à part et tout. Je pense que tout le monde est bien. Ouais. Bah en fait, c'était pour récupérer quelques 207, des armes, etc. Mais je sais pas si... Il y a l'anima aussi, hein. Faut pas négliger, je pense. Maintenant qu'ils ont fait le buff d'anima, enfin la quantité d'anima qu'on est reparti à. S'il te plaît, j'ai besoin d'anima pour une monture. Non mais. Je crois qu'il y en a qui disent qu'ils râlaient, ils avaient pas envie de faire leur expédition. Donc. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai, mais après. Ceux qui râlent, ils jouent plus, j'ai l'impression. Ça c'est vrai. Après, c'est vrai que ce serait pas mal de passer tout héroïque quand même pour pouvoir essayer d'avancer et de consolider quoi. Ouais, mais ça fait toujours du bien de se rappeler qu'on a mal aussi. Oui, mais peut-être qu'on peut faire héroïque la semaine prochaine et puis après la semaine d'après repartir sur un peu normal si besoin. Enfin, on va faire une semaine sur deux, ouais. Ouais. Toi, et puis s'il y a des gens aussi qui veulent venir en raid, je sais pas qui, mais qui voudraient faire le raid en normal, peut-être avoir une occasion pour ça aussi. S'il y a des gens. Même faire jouer limite les rerolls pour ceux qui veulent que l'on vraiment pas. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais... Attends que c'est pas full reroll, ça me déjeune. Mais j'ai pas envie que certains viennent avec les rerolls alors que d'autres veulent aussi. On va garder Arténé sinon. Une semaine c'est les rerolls et l'autre c'est les autres. Mais y a pas des gens qui veulent encore des trucs sur Denatrius ? Si, j'ai encore besoin. Bah, je pense qu'il y a des gens qui veulent la bague sur Denatrius. Ouais. Ouais, moi aussi. Complètement par exemple. Putain, ouais. Moi je dis ça comme ça. Mais on a toujours pas fait tomber le meilleur. On a toujours par exemple, tu fais l'héros et tu es techniquement meilleur. Lequel ? C'est. Le réceptacle ? Non, c'est pas le réceptacle. L'hymne, le truc là.
Ouais, le cœur des machins, là. C'est l'un des meilleurs bijoux Intel. On chante tous ensemble, hein. Ouais, on chante tous ensemble. Et normalement, on doit faire tomber plein. Ouais, pour ça, effectivement, il faut faire des natrices plein de fois, ouais. Ouais, mais là, on a fait déjà des natrices 4 ou 5 fois, on l'a jamais fait tomber. Donc, je pense qu'on peut aller se faire voir. Ouais. Moi, je dis, c'est quand même grâce à Bila qu'on l'a tombé. Hein. Il a été tapé une fois en mêlée, quoi. C'est Bila. C'est Bila. C'est. En plus, c'est plus que ça. Hein. Bon, je vous laisse ici. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu nous passes les logs, hein. Je les ai pas pris. Oh, mais l'idée d'une semaine sur deux, ouais, c'est pas mal. Comme ça, on avance en héros et ensuite on essaye de refaire les derniers boss en normal. Une histoire peut-être de se rappeler les mécaniques aussi, c'est bien pour un refresh. Putain, ouais. Une fois sur deux, tu fais un petit refresh. Ouais. Et bah ça tombe bien, on va aller faire Inerva alors. Mais. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un refresh en normal. Par contre, conseil de sang, quand on va y arriver, ce serait bien de faire un petit cours en normal. Yep. Pour revoir les mécaniques. En tout cas, c'est bien pour ça. Ouais, en tout cas, c'est déjà pas mal. T'sais. Ouais, là, on est. Faire ton ami de terre, mais c'est. Et ouais, je le trouvais déjà moins compliqué que l'autre qu'on faisait tout le temps là. Inerva. Bah, ouais. Le but c'était surtout. Inerva. Salut du roi pour rester. Pas plus facile. Et Après, c'est assez simple, hein. C'est vrai que. Bon, sur Artificier, sur Inerva, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de dégâts qu'on peut pas éviter, mais s'il faut éviter, c'est d'éviter les dégâts. À partir du moment où tout le monde a commencé à éviter les dégâts, et ben, évitable. C'est beaucoup plus facile. Et niveau heal, bon, j'ai pas regardé combien on était de heal ou quoi que ce soit, mais ça va, vous arrivez, là, ça allait, mais on va voir. Inerva, il vous manque pas de heal ? Non, je pense pas. Non. Je pense pas, je pense que après ça dépend, tu vois, parce qu'il y a un équilibre. Je trouve que quand on est plus. En fait, le truc sur ce boss, c'est que comme on n'était pas beaucoup, il y avait beaucoup de gens qui tournaient sur les mécaniques et qui faisaient qu'on le faisait tomber peut-être un peu plus lentement que si on avait été deux ou trois personnes de plus, comparativement. Okay. Mais pour le moment, là, ça va. Je dirais que bah, pour l'instant, on a pas eu de gros problème de heal. Mais. Je pense que si on était 17-18, peut-être qu'on se poserait la question d'un quatrième, mais. De toute façon, c'est 1 pour 5, hein. Donc c'est comme en groupe normal. Ouais, ouais. Après, ouais. Enfin, 1 pour 4, pardon. Ouais, bah là, on est. D'habitude, on est 14, 15. On est 15 d'habitude, donc. Ouais, donc on travaille. À la limite, mais bon, voilà. Tu sais si Hakimi reviendra un moment ou pas du tout Il m'a dit d'ici 2 à 3 semaines, entre sa mère et voilà. D'autres trucs. Oui, enfin, j'ai. Bref, il a des problèmes perso, quoi. Par contre, jeudi, je suis pas certain d'être là. Normalement, je suis là, mais je suis pas certain. Je l'ai mis. Hein. Mais t'as pas le droit. Bah, c'est bien, tu feras pas de mécanique du coup. Tu feras pas de mécanique. Tu dois être là, Lams. Parce que si c'est pas toi, c'est moi. Alors, tu dois être là. Je te l'ordonne. S'il te plaît. Ok, alors j'ai le droit d'être. À volonté. Des quoi? Des raises à volonté. Ah, bah, tu t'arranges avec Atis, cette raise à chaque fois, elle peut 13. C'est ça, ouais. À la fin. Alors, je peux appuyer sur le bouton d'Adès parce qu'il est juste à ma gauche et je fais clic. C'est bon, vas-y, on peut. Alors. Faudrait que je change de légendaire, moi. J'aime bien ton bruit de clic. Clic. Mon clic. Ah bon bah ça fait plaisir là ce petit boss. Bah ça fait du bien. Ouais, enfin ouais. On en cool. A tombé un là de nouveau là, ça fait plaisir. Très très cool. Bon, on en a fait 4 là en HM. Ah bah oui. Pas de bêtises. Oui oui, 4. Ça c'est cool. 4. Je vous laisse, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah c'est con Mikan, elle aura pas été là pour le tomber. Enfin et ouais. D'autres. D'ailleurs. Je pense qu'il sera plus intéressé peut-être par le Roi Soleil. Oui, 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 pour le bijou. Il y a des bijoux là-bas. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Bah après, on aurait eu Varna en DPS, il serait tombé un peu. Non, mais je pense que typiquement sur celui-là, et c'est pareil pour Inerva, les groupes plus grands sont favorisés. Parce que carrément. Les mécaniques
Il y en a tellement à faire, il y a tellement de trucs. Déjà, tu mobilises 3 personnes pour prendre des graines qui font pas de DPS pendant 10-15 secondes. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est... Ouais, clairement, clairement. Le problème, c'est qu'après, il y a quand même une pression de heal qui est suffisante pour te dire non, le heal, il peut pas aller partir faire les mécaniques... Ah ouais, mais des fois, vous étiez 2 heals ou des trucs comme ça, quoi. Malheureusement... Ouais. Vu que Bila est en plus de heal possible. Le try était parfait, à partir du moment où... On n'est pas mort, quasiment personne n'est mort sur le sur la première faille, c'était banco quoi, tu vois, ouais. Je veux dire. Allez, moi je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, toi. Bonne nuit. C'était banco. C'était banco. Bon quoi? Bangkok. Bonne ville, Bangkok. C'est Bangkok, c'est Bangkok. Bangkok. Ouais. Ah ouais, voyons voir ce qu'aurait pu être. Tombé pour moi. Non mais en plus c'est bien que la bague soit tombée parce que moi j'ai aucun de loot pour lui qui m'a vers la bague. Peut-être qu'un jour je changerai mes jambes. Hein. T'as des jambes combien? 58 non déjà. En 97 avec le. Ah oh, bah ça va. Ah non, elles sont pas naze quoi. Tu peux pas te choper des jambes en conquête? En 97, tu sais, je vais gagner peut-être un point de force. C'était juste parce que 6 stats plus opti aussi, c'est tout. Bah là, j'ai 68 de hâte. Ok. Tiens d'ailleurs, Thibaut, oui. Le PVP en moine tank, qu'est-ce que ça... Bonne question. Je sais pas. Je crois que c'est fort de mémoire. Normalement, tu dois. Enfin, le gros avantage que tu as, c'est pas mal de mobilité. Et ça, c'est cool parce que si c'est un petit peu chaud, tu peux vite te barrer toute vitesse et ouais. Éviter de mourir. Et du coup, ça vaut grave le coup. Et puis, t'as l'exécute aussi. Et puis, ouais, l'exécute, il est ultra violent. Hein. L'exécute, ouais, j'avoue. C'est sympa. Ouais, c'est violent. Ça. En PVP, tu peux utiliser l'exécute? Je crois. Ouais, oui, en fin de bataille, j'ai exécuté 2-3 types. En fait, il me faut des jambes. Non, en donjon, parce que celui du raid, il est nul à chier. Moi aussi, il me faut des jambes. Putain. Nul à chier. Ah bah, si vous voulez, demain, moi, je vais faire du plus 10, si jamais ça intéresse quelqu'un. Mm-hmm. Ça dépend de moi, mais ouais. Même si on l'a fait pas. Non, merci, c'était un enfer. De quoi? Oh, c'est beau ça. Non, on a fait des. On a fait attends, des... faut que j'aille voir ma botte. On a fait des bons avec Ted hier. Oui, c'était sympa. Ah, 2 sympa, faudra que je remonte ma clé par contre, parce que là elle est retombée à 9 là. Bah, moi, j'ai... 2 220. Ah oui, t'as fait 4. T'as quoi? J'ai une clé 11. Ah oui, non, mais j'ai théâtre. Théâtre. J'ai une 9, salle de l'expire. Moi j'ai une. Ça, 10 salle de l'expire. Les paladins. T'es où, Nigel? À Auribos. Non, non, non. Pour faire des. Pierre de l'Est. Ah ouais. Non. Je te les envoie en courrier ou pas? Bon, comme tu veux. Je crois qu'il va falloir que je change de légendaire là. T'es pas à Roibos après. Non, je suis à la congrègue. Oh, vivement mercredi là pour le rang 4. Dim, Zad. Je t'envoie du coup des soins enténébrés, c'est ça? Ouais. Ouais, il va falloir que je change de légendaire. On est des groupes trop petits là. Faut un légendaire pour les groupes petits. Tiens, tiens, tiens. C'est chiant ça que j'ai un légendaire pour les groupes grands et les petits. Ah, pratique ça. Je vais récupérer des. Ouais, vas-y, c'est pas pressé, hein, ça. Il y en a besoin pour jeudi. Hein. Bonne nuit à toi. Ouais, bonne nuit aussi. Bonne nuit. Ciao, ciao. Non, mais les pierres d'ombre, ça coûte que dalle, franchement. Et je me rembourse vite, en ce moment. Gars, j'étais descendu à 30k, je suis remonté à 40k, là. Ah, bah, en parlant de sous, Nisial. Oh, j'attends mes petites runes, n'hésite pas. Petite rune.
Toi, tu dois quelque chose, Nizienne. Ah oui. Ouais, bah, je... Ah oui. Oui. Alors, faut... Mais on avait filé 7, un truc comme ça. Je sais plus, ouais. Attends, quelques-unes. Ouais. Et est-ce que t'as compté la Gios? Et la dépréciation du cours des runes et tout ça, je pense que... Calmez-vous, monsieur. Non, mais... J'ai... Non, mais... GG, victime de la mode là. Ted... Aïe 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 aïe. Je crois que les prix ont descendu là. Ted, laisse le judéo-franc-maçonnique négocier pour toi, s'il te plaît. Hein? tu peux en récupérer au moins 25 de runes de Niziel, c'est bon. Non, mais Niziel, attends. Pour l'instant, je suis encore un peu pauvre. Hein. Je vais pas le mettre. Quoi, un PO non plus, hein. Maintenant qu'il a trouvé des techniques pour augmenter ses PO. Bon, il part de 100 PO, donc ça va être long, mais... Ah, c'est bien. C'est un début, quoi. Non, mais ils ont inventé les pierres d'ombre. Oh, les bâtards. Ah, ça fait plaisir, sur son petit retail, d'avoir un petit truc vert autour de 15 tryons. T'as besoin de PO ou d'un truc non, 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 t'inquiète. J'ai inventé le prix et je suis un peu vert. Et je reviens, à toutes. À toutes. Ouais, on l'a fait en 5.38 l'artificier. Ah mais en soi, c'est pas dégueu. Hein. Pour ça, moi, quand j'ai claqué ma deuxième potion, quand il y a eu l'héros et tout, je me dis, oh bah je vais claquer ma potion. Et j'ai fait, ah bah non. En fait, non. Il y a encore une minute quasiment. Donc je l'ai claqué à la fin. Mais c'est les gens en fait. C'était un problème que les gens restaient pas en vie. Hein, Ah mais oui. Parce que Bilem me posait la question si on avait assez de heal. Moi je disais que oui, c'était juste que les gens mouraient quoi. Et prenaient les dégâts des petites des zones au sol. Après, je dis ça, pas, il y a des moments où. Non, mais il y a des moments où t'es obligé de t'en prendre une. Des suies comme ça, je fais oh là là. T'es obligé de t'en prendre quelquefois une, tu vois. Je veux dire, quelquefois t'es coincé tout ça avec les pièges et tout ça. Mais globalement, là, les gens ils se sont pas pris de bande. De toute façon, c'est le groupe quasiment entier, on a ce problème-là, c'est les mécaniques de prendre des dégâts. Hein. Sinon, en termes de DPS, on est pas ouf, mais on n'est pas nul, en fait. Hein. J'aimerais bien que ça tape un poil plus fort, mais sinon, après, ça va, tu vois. Dans l'ensemble, ça va. Parce que on taperait un poil plus fort, qui presse certaines mécaniques qu'on fait deux fois au lieu d'une, tu vois. Pierre de l'Est, 34. Mais bon, après. Bon, c'est bien, c'est déjà la satisfaction d'avoir fait. Non, déjà, le boss est tombé là, j'en pouvais plus moi. Moi non plus. J'ai Wisp. Vraiment, à un moment, je fais. Oh, et là, je commence à m'agacer, là. Non, mais pareil, moi, à la pause, j'étais fou. Excuse-moi, Vorna, de t'avoir spammé, mais j'étais fou à la pause. Ah, d'accord. En fait, Vorna, tiens, prends nos doléances, là. J'en pouvais plus. Ah, mais il est parti, en fait. Il est parti, il a juste entendu son nom. Mais... J'en pouvais plus, mais... Allô, Vorna? Ouais. Il a un problème d'internet, peut-être, de Discord. Ouais, de Discord. En fait, ce qui m'agaçait, ouais, c'était surtout le fait qu'on arrive à le tomber assez bas dans les premiers tries et qu'après, ça fasse full merde. Là, c'est ma... Mais bon. Mais après, tu vois, quelquefois, c'est con. C'est pas que le stuff et tout ça. Maintenant que tout le monde sait qu'on peut le tomber, il va être plus facile, non mais c'est comme ça à chaque fois hein, chez nous. Plus facile. C'est comme ça à chaque fois chez nous. Hein. C'est on va galérer pour un boss de merde alors qu'on pourrait le tomber. Il est tombé. Quoi. Voilà, c'est ça. On a fait 25 tries au départ pour le conseil et puis après, les deux ou trois fois d'après, on l'a tombé en un coup sans aucun problème. Avec à peine avec pas non plus des loots de ouf, quoi, je veux dire en plus. Donc c'était pas le DPS, quoi. Hop, envoyé. Bon, allez. Du coup, il est parti, je crois.
Alors attends, moi je vais surveiller mes ventes parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à mettre juste un PA en dessous de moi là. On va bien garder le monopole. Mes fourmis, arrête. Après je viens de mettre 3000 PA aiguisés d'ombre là. Combien ? 3000. Je vais me faire 30 KPO, non. Bien. Il va falloir... Ah ouais, les runes. Racheter les runes à tes dômes. Runes. Bon, moi, c'est quoi comme journée demain au boulot ? En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des faux marchandeurs qui rentrent dans mon immeuble. Ça commence à m'énerver. J'ai des gars, tu vois, je veux dire, ils disent qu'ils viennent pour vérifier la fibre chez toi. Sans rendez-vous, sans rien, sans truc, quoi. Tu crois que je vais laisser rentrer ? Alors, le gars, je lui demande « Mais montrez-moi, est-ce que vous avez votre carte de free ?» Enfin, une carte de truc, parce qu'il dit d'être de free. Il me sort la carte, genre, écrit à la main avec une photo collée, quoi. Et puis surtout, le gars, ils disent qu'ils viennent faire, tu vois, vérifier, faire de la technique. Et le gars, il est en costume rayé, quoi. Tu vas pas me faire croire que tu vas en costume rayé pour t'allonger par terre, voir des box des gens, quoi. Non, moi, j'avais vu des gens qui venaient installer des fibres et tout, qui n'étaient pas en costume rayé, quoi. Bah oui, bah allez, moi, la personne qui est venue installer la fibre, le gars, déjà, j'ai pris rendez-vous avec lui. Ouais, non, mais... Et puis déjà, moi, ça fait... Vous savez, ça fait peut-être... 15 ans que j'ai la fibre, jamais on m'a vérifié la fibre du côté de mon immeuble sans un technicien. Genre, tu vois, je veux dire, si vous aviez accès au truc, ils me disent ouais, mais de toute façon, si vous aviez accès, vous auriez la clé pour ouvrir l'immeuble aussi. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas obligatoire. Oui, mais moi, ce que je leur dis, moi, tu viens comme ça aléatoirement, on peut pas t'ouvrir. Hein. Ah oui, par contre. Clairement. Parce que j'ai discuté avec eux, parce qu'en fait, ils m'ont sonné chez moi au moment où je suis parti. J'aurais dit non, je peux pas vous ouvrir. Et puis après, je suis sorti. J'aurais dit non, mais vous avez pas sonné sur toutes les sonnettes des gens, quoi. Bon. Alors, je suis resté devant l'immeuble et j'aurais dit, bah, vous partez. Si vous partez pas dans les 2 minutes, j'appelle la police, quoi. Ils m'ont regardé genre, ah, vous avez pas faire ça, et tout, c'est et pas normal, fait... et tout. Bah... J'avais rien pour prouver... Bah, si, ils ont une carte, mais bon, j'ai... Tu sais, à un moment, j'ai sorti... Quand il m'a montré la carte, je lui ai dit, attendez, je peux regarder et tout. J'ai sorti mon portable, il a commencé à l'arranger très vite, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et je lui dis, bah, de toute façon, bah, j'aurais dit, bah, je vais appeler Free. Si, je m'excuse si c'était vrai ce que vous me dites, mais je vous crois pas, quoi. Au mieux ça. Bah, hein. Jamais. Bah ouais. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de tournées. On a déjà eu des vols dans l'immeuble et tout ça. Faut arrêter un moment. En plus, il y a des personnes. Il y a plusieurs personnes âgées. Donc, tu sais, c'est la plus crédule. Donc, tu vois, j'ai pas trop envie que. Théolène. C'est. Vérifie. Bon, allez, je vais me coucher. Je vais me coucher. Ouais, je vais pas tarder. Il faut que je prenne ma webcam aussi, tiens. Hein, on oublie. Et ouais, étoffes d'Eolen qui sont à 17 PA et qui sont vendues 10 PA. Allez, c'est parti. Allez, bonne nuit, Niziel, le trader haute fréquence. Bonne nuit. Allez, bonne nuit.
Ah, et puis bah bonne nuit en fait, hein, le stream, parce que je continuais moi normal. Allez. Bonne nuit.